practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tom Psycho never stopped. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Non, en vrai, les gars, faut que je gratte un maillot avec les Girondins et je leur dis, vous m'offrez un maillot et à ce moment-là, je reste chez vous dans ma carrière et je vous amène gagner le titre de Ligue 1. Non, parce que bon, 126,90 avec mon flocage, ça me fait un peu chier quoi, j'avoue, la flemme. Je suis un rat, team rat ici les gars. Tu peux mettre des points dans tes stats. Ouais, comme d'habitude, avant les matchs les gars, on y va. Ne vous inquiétez pas, je le fais. Alors du coup, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Moi perso, je manque d'agilité. Il faut que je sois au max de l'agilité et de la vitesse pour vraiment m'amuser. Et après, tout ce qui est fantasque, il faut voir, tu vois. Mais en gros, ça, je pense qu'il me faut plus d'agilité et d'équilibre. Hein. C'est, voilà, on sait que dans FIFA, c'est ce qui est fort. Il faut aller chercher ça là-bas en bas déjà. Et ça, voilà, le guépard là. Pff, le guépard, il est ouf. Hein. On peut mettre un point ici. En fait, déjà ça, équilibre, placement offensif. Bon allez, on y va les gars. Match contre Sochaux. Qui c'est qu'on connaît ici? Henry, Thierry Henry à droite. Nice. C'est Ludumbia à gauche. Oh putain, il est revenu. Et Sissoko aussi, maintenant il est buteur. Nice. On y va. Allez, c'est parti. Obtenir une note de 8,5. Ok, réussir 10 passes, c'est chiant. Cadrer 3 tirs. Ah, ça j'aime bien. Objectif amélioré. On avance à 4. Allez, c'est parti les gars. On doit faire 10 passes dans le camp adverse. Donc déjà, c'est le truc que je fais en premier parce que... Ça commence bien. Ouais, c'est Sochaux par contre. Hein. On va quand même respecter un peu. Pas trop faire le con. Je t'ai vu. Tu m'as vu. On s'est vu. Ah ouais, c'était pas son poste. Les cheveux violets vont super bien au personnage. Ouais, je trouve aussi hein. Oh non. Attention à Doumbia. Gardien, c'est bon. Relève-toi. Ouais, aïe. Je fais un appel, ils m'ont pas mis, je suis vexé. D'accord. Je suis boycotté là, il se passe quoi? C'est ma nouvelle coupe de cheveux qui vous revient pas les gars? Vous laissez défendre vous en carrière ou vous faites le pressing avec R1? Je vous posais la question avant. On défend. On récupère. Attention, faut pas laisser tirer. Bien joué. Oh non, la passe est dégueulasse. Faut les tirer. Moi, elle est cadrée celle-là, dommage. On l'a travaillé à l'entraînement. Elle est cadrée, c'est pour les stats. Oh, mais c'est réclusion à vie, monsieur l'arbitre. C'est moi qui tire, c'est mon premier coup franc. Oh, attention, il y a peut-être un David Beckham qui sommeille en moi. Est-ce qu'on les fait en ballon piqué comme on a appris? David Beckham! Oui, et ça disait dans le chat, fermez les fenêtres chez vous, le ballon va arriver! Il est où? Regarde ça! Oh là 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 là, 80 km/h, pas rapide du tout, mais placé. Un gardien aux fraises qui se prend le poteau. Oh oui! Oh, il est parfait! On l'a tiré par-dessus le mur! Et là, on descend fort. La chance du débutant, je pense plutôt que c'est travailler à l'entraînement, messieurs, dames. Et on est là! Allez, 1-0. Vous pouvez pas dire, ouais, ça va, bien joué. C'est sérieux. Oh, j'avais pas vu le défenseur. J'arrête un peu de croquer, j'avoue. Voilà, franchement, dans l'idée, si le gardien sortait, je le tuais là. Hein. Et là, on dit quoi du coup? Là, tu peux dire, franchement, bien tenté, tu vois. C'est propre, c'est beau jeu. Les stats, Tom. Ouais, j'en suis où? Il manque un tir. Bien protégé. Ouh, le gardien. Joue vite ton bas. Putain, je dois me battre à chaque fois là. On peut faire des relances à nos latéraux, tranquille. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Boum. Et oui les gars, le doublé. Ah oui, on a vu l'espace, l'extérieur du pied. Bien évidemment. Elle est belle. Et là, au niveau des stats, les gars, que des passes dans le camp adverse. 4 passes dans le camp adverse. On focus ça. 1. 2. 3. J'allais faire la quatrième. Allez, 2-0, mi-temps, à extérieur. On est plutôt bien.
pas le tour du monde ça. Si ça, ça fait pas le tour du monde ça. Oh là 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 là. Non mais non. Ah, petit dribble chaloupé. Rapide sur les appuis. Gauche droite. Regarde ça. Clac clac. Et là, virgule. Hop. Et la frappe du gauche. Oh là là. On a tout. On a tout. Ah, j'espère qu'on joue à la Coupe de France. Ce serait cool. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Bien joué. Ah, j'aime pas faire des courses pour rien, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Gérard Moreno, transfert confirmé à Manchester United. C'est quoi ce délire? Ils ont pris Gérard Moreno et pas moi? Super. C'est ciblé, hein, les... On parle de Manchester, là. Bien. Superbe. Désolé, j'ai croqué. Attends, il manque pas une passe. Il manque une passe, les gars. Ah ouais, non, mais là je suis chaud, j'ai envie de... Pardon. Oh, j'ai essayé. J'ai essayé de la transmettre, mais... Viens, viens. Putain, j'essaie de me placer bien. C'est de ma faute. Je crois qu'il y a l'arrêt. C'est une fois que je la demande quand même, il me l'avait pas pour première intention, c'est scandaleux. Oh putain, Nawaza! Oh non les gars, je le tente hein. Non mais là franchement je propose du spectacle hein. Là je propose du spectacle en vrai hein. Oh, je l'avais dans la tête depuis le début, je savais que j'allais faire ça. Je vais m'arrêter. Tu m'as vu? Tu vois bien qu'il y a un problème. On a tenté des choses, non on a bien joué en vrai. Le match fait plaisir, complet, on marque des buts, on fait des passes, tout ce qu'on veut. Conférence, y a pas grand chose à dire ici hein. Mais bon allez vas-y j'y retourne. Préparez vos questions les gars, je vais aller en conférence de presse. Bonjour messieurs, pourquoi cette coupe de cheveux? Non bah alors c'est vrai qu'avec mes amis on rigole souvent en se disant vas-y on va se teindre les cheveux à la couleur du club pour lequel je vais jouer. C'est vrai qu'on savait pas encore vraiment ma situation sur le mercato. Quand j'ai su que j'allais continuer l'aventure, j'en suis content, on a voulu faire du Bordeaux. Bon, manque de bol, mon coiffeur n'avait pas de Bordeaux. C'est la vie. Voilà. Pensez-vous finir meilleur buteur du championnat et pensez-vous avoir les capacités pour? Ah, vous allez apprendre à me connaître. Hein, mais j'aime bien rigoler. J'allais dire, je pense que je vous ai prouvé que j'ai les capacités. Hein? Non, après, c'est pas un objectif en soi. Mais bien évidemment, que vu la tournure de ces premiers matchs, ça va être secondaire. Mais pourquoi pas? Est-ce que dans deux mercato, tu te sens prêt à aller dans une grande écurie où il te faut encore attendre un mercato supplémentaire? Bah, là, à l'heure actuelle, on va déjà refaire monter Bordeaux où ils doivent être, c'est-à-dire en Ligue 1. Ensuite, tout dépendra du projet. Moi je pense que là on parle vraiment du futur qui est éloigné, il faut déjà qu'on remonte. Après c'est des projets, c'est des choses. Moi je suis pas pressé, je suis jeune donc on verra bien. Pensez-vous gagner avec des champions un jour? C'est un rêve, pas beaucoup de gens y arrivent. Maintenant bien évidemment que c'est un rêve de folie. Vous avez vraiment des questions de merde de journaliste hein. C'est bon. On voit que c'est pas très dur un métier de journaliste en vrai pour poser des questions. On a vu comme a l'air de David Beckham en vous lors de ce coup franc, vous allez t'inspirer. Vous êtes nuls. Bon les gars, je me tire, je vais aller bosser un peu mon foot. À toutes. Coupe de France, c'est un objectif pour la saison. Je vais pas répondre parce que je sais même pas si on est qualifié pour. Je sais même pas si on la joue en fait. Attends, voir. On peut voir saison, calendrier. C'était déjà prévu. Attends, championnat. Je sais pas si c'est du tirage ou pas. Alors là, en tout cas, à l'heure actuelle, non, on fait pas la Coupe de France. Hein. Mais après, est-ce que le tirage a eu lieu? Est-ce que tu vois les trucs, machin, choses? Je sais pas. On va faire l'entraînement vite fait. Franchement, il y a plus que les entraînements en défense. Faut qu'on donne un dernier coup de collier, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vas-y, il reste plus que 2 sessions. 2 sessions, on doit faire l'entraînement et après, on peut tout simuler, les gars. Et on aura fini les petits trucs. Alors c'est vrai que c'est long la première fois. Et après, franchement, c'est la joie. Quand t'as tout en A, tu te prends plus à tête et tu simules tout. C'est vrai que ça peut aider éventuellement à récupérer à chaque fois que je mets la pression, parce que moi j'aime bien jouer avec ça. Mettre la pression au défenseur. Autrement, ça me permet de récupérer 2-3 ballons en plus. Moi je prends. Bien. On est injouable.
Ah, va que j'ouvre ma gueule, bien sûr. Le Ballon d'Or est-il envisageable en fin de saison? Vous êtes grave. Ballon d'Or en Ligue 2, imagine. Là, en plus, je suis en champion, tu vois, je peux monter la difficulté. Mais en vrai, comme on a dit, si on sent qu'on a trop de simplicité, on partira. Le but, c'est pas non plus de mettre 3 buts à chaque match, tu vois. Donc si on se rend compte qu'au bout d'un moment, bah c'est tous les matchs pareils, on met 3 buts, ouais, on va changer. Après, l'histoire d'un joueur qui explose en Ligue 2 et puis qu'après elle change de championnat, bah pourquoi pas mettre des buts chaque match, c'est déjà vu dans la vraie vie, mais oui, bien évidemment, on va pas abuser non plus quoi, du délire. Et après, en même temps, tu peux le faire, hein, tu peux baisser la difficulté, donc c'est pas forcément un problème. Oh putain, bien joué. C'est pas forcément un problème, tu vois. Tout le monde peut s'amuser là-dessus. Hein. Bien joué. Oh putain, j'ai voulu couper la trajectoire de passe. Ah, celui-là, on va peut-être galérer celui-là. Quand il y en a deux, je galère un peu. Bah. Ah, récompense-moi quand même. Ouais, bien. Non, mais ça me change de joueur tout seul. Oh, mais c'est affreux. Allez, voir, jeu parfait. Non, c'est le dernier, on l'a pas à la pointe, donc on doit tout recommencer, la flemme. J'aime pas cet exercice en plus. Mais ça me change de joueur à 24. Vas-y, tu sais quoi, je vais faire un pressing à 2. Bien. Bah, il m'a pas donné les points. Bien. Bien. Non, non. Non, non, c'est moi qui fais les gestes ici, c'est pas toi. Donne la balle. Oui, barbé. Voilà, montre-lui. Moi, je vais déchirer les jambes, toi. Ah, peut-être pas assez, du coup. Il m'a tué. On va peut-être le recommencer, celui-là, non? Ta mère. Fais chier. Voilà, ça, c'est mieux, ça. Yo! Pardon. Plus qu'une session d'entraînement les gars et après on pourra tout simuler. Vas-y, on peut aller voir sur la progression. En niveau dribble, on est quand même vraiment plutôt pas mal à l'heure actuelle. On va se mettre ce point là qui va nous débloquer après ici en bas. Et puis pourquoi j'ai pas débloqué ici en bas? Ah, il faut 5 points. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, parce que le plus d'agilité là, il va faire très très mal. Ensuite, je pense qu'on va améliorer clairement la frappe et la vitesse et on sera bon. Au niveau activité, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on a 8000 balles. On peut faire un cours de danse plus 1 équilibre. Vas-y, cours de danse. Équilibre, on prend, on paye. C'est bien. Et au niveau décision, qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision ici? Préparation d'anniversaire. Vous invitez votre famille et vos proches pour fêter votre anniversaire. Le champagne au frais et vous faites venir un traiteur. Vous réservez une boîte de nuit, non? Vous invitez vos coéquipiers à votre anniversaire, bowling, hamburger. Non, j'avoue que je suis plutôt famille moi quand même. En vrai, je suis plutôt famille. Ah mais je peux pas. Ah c'est 50 000. Ah ouais non, bah vas-y, on fête pas notre anniversaire, nous. La flemme. En vrai la flemme. Allez, let's go. Rodez. Rodez, comme vous voulez. Tu vois que c'est Bordeaux, mes cheveux. A marqué 3 buts lors du dernier match, c'est vrai. Ah, c'est toujours pas moi. Hein. Il y en a 2-8, attendre au moins un but. Vas-y, allez. Allez, le foot. Hein. Je lâche un peu cet accélérateur. En sortie de chance. Dommage. Lulu, on n'en parle plus. Merci beaucoup. Tu as la difficulté? On pourrait essayer peut-être un match ou deux, mais écoute, on a déjà fait une défaite un nul. Hein. En vrai, on ne doit pas gagner tous les matchs, mais écoute, on va voir. On peut tester un match après, hein, si vous voulez. Hein. Ok, alors 16h26. Ouais, on peut éventuellement tester après. Pas trop le temps. Mais... Non. Ah, oh, je tire dessus, je suis un gamin, le geste était incroyable. J'ai mis un tackle strike, les gars, j'en ai pris deux pour le prix d'un. Hein? Putain, physiquement il m'a bouffé. Je dois voir les défis, atteindre au moins un but et... Ah non, faut faire une passe aussi. Putain, faut que je fasse une passe. Oh! Oui, c'est fait boire. Franchement. Ah, belle défense. Hein. Bel pied. C'est dommage qu'on puisse pas dire tacle, quoi, tu vois. C'est des moments où il pourrait récupérer la balle facile, quoi. Bien, gardien, superbe. J'avais prêt à. Ça, c'est un truc qu'il devrait quand même régler. C'est pas ce que tu fais en même temps que le mec qui te fait la passe et du coup ça te la compte comme toi t'as fait une passe à la réception. C'est pas terrible. J'ai aidé mes copains parce que je vois bien qu'ils galèrent. Allez, c'est la mi-temps.
On va devoir faire une passe D en deuxième mi-temps. Mais ça va. Let's go. La note et une passe, les petits potes. Vas-y, mets-le. T'as des fois, t'as envie qu'il te rentre dedans. Ah bien, super, beau. Qu'est-ce qu'il fout ? Oh, y'a personne ! Mais vous êtes des... Putain ! Ah, j'avais fait le festival. Putain ! Ah, je vous dis, montée de difficulté, je pense que ça va être la galère. Même là, tu vois, j'essaie juste de me retourner pour faire une passe tranquille. Oh là là, le temps d'Axel. Voilà. Oh non, hors jeu. Oh non, j'ai cru. Il est hors jeu. Eh oui, bah oui. Pas toi. Bien joué. Trop de choses à améliorer. Oh non! Trop de choses à améliorer. Je lève la tête en fait, mais je te jure, pas de soluce. Pas de soluce. J'essaie de trouver un mec qui est quelqu'un. Oh, je suis cuit. Oh, je suis cuit. Oh, je suis cuit. Je suis cuit. Je suis cuit. Ah, je suis cuit. Je peux plus. Oh, avec la persévérance d'un seul homme. On a tout donné. Ah, je te jure. Bon. Non, non, pas de but. Allez, let's go. Ça part. On n'a pas fait un superbe match, mais on a rempli les défis demandés par le coach. C'est le plus important. Et on reste encore une fois décisif. Donc ça, c'est très très bon. Continuons comme ça. On est pas mal, hein. Alors, on m'a dit, va voir dans saison, c'est ça, j'imagine. Non, c'est où que je dois aller voir pour voir s'il y a la carrière. Classement. Ah ouais, peut-être classement. Et puis là, je mets choix compétition. Ouais, c'est ça. Coupe nationale. Premier tour. Bah, en tout cas, on n'est pas sur le premier tour, hein, pour l'instant. Est-ce qu'on rentre au deuxième tour? Je sais pas. Ou est-ce qu'on n'est pas qualifié? Est-ce qu'on a des équipes de Ligue 2? Donc, en vrai, je sais pas. Et en Ligue 2, on a repris la première place, les gars. Mais vous voyez, hein, ça joue à 2 points. Hein. On encaisse autant de buts que les autres, on en marque plus, quoi. Peut-être plus de facilité de marquer. En fait. Activité, c'est quoi qui se passe? Lire un livre sur votre footballeur préféré. Ah oui, tous les jours. Oui, Rony. Merci. Entraînement. Il nous reste plus beaucoup de choses à faire, les gars. Je crois qu'il nous reste plus qu'une session. Voilà, celle-là. Courir et centrer. Scénario défensif. Et je vais vérifier tous les autres postes, mais je crois que c'est bon. Hein. En dribble, c'est bon. Défense, ça sera bon. Passe. On est en A. Tir, on est en A partout. Coup de pied arrêté, on est en A partout. Donc là, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, quoi. Allez, let's go. Allez, plus que ça à faire, et puis on est bon. Oh putain. Le seul truc que je dois faire, je m'arrête pas. Reviens. Ah, je peux le tacler trop bien. Vas-y, je le tacle. Hors zone. Tu sais, c'était fâché, mais... T'aimes ça, en fait. Voilà, il a pas eu la balle, les gars. 1000. Buteur. Ouais, donne la balle. Ah, je dois tirer. J'ai pas compris. Bah ouais, mais... Oui... Fusille. Ah, un peu déçu. Bah, je fais la passe. Ok, tant pis.
Ok, ok, ça va. Et là, normalement, les gars, on n'a plus besoin de faire un seul entraînement. Tout se fera automatiquement maintenant. Donc ça, c'est nice. C'est très, très cool. Un point disponible. Vas-y, de toute façon, il faut qu'on en prenne plusieurs. On va faire ce dernier match, les gars. Dernier match contre Caen. Ils sont combien, Caen? Cinquième, hein. Ok, on peut les repousser à 6 points. Ça peut être une très, très bonne opération, mais c'est chez eux. Attends, qui c'est? Il a marqué 4 buts. Attends, ouais. C'était même pas moi qu'on a montré. Oula, attention, attention, il y a match dans le match. Allez les gars, ça c'est un match important. J'ai même pas regardé les objectifs en vrai. Excusez-moi. Obtenez une note de 8,5, éviter la défaite, cadrer 3 tirs. C'est simple. Dommage. Deuxième tir cadré, c'est ça? Ouais, nickel. C'est pour les stats, hein. Non, les mains, je trouve les mains dans le jeu, c'est assez cool, parce que ça peut donner des coups francs un petit peu plus simplement aussi de temps en temps. Et ça manque. Dans les 16 mètres, c'est relou, tu vois, ça peut vraiment être game breaker. Mais là, là non, je trouve que dans le jeu normal, ça va, c'est assez agréable quand même. Justement, des fois, frérot, je te jure, hein, tu contrôles toute la main, c'est bon, quoi. Voilà, ça j'aime faire ça. Et on tente une célébration aléatoire. Ah bah non, c'est pas aléatoire. Allez là, on s'est battu. Hein. Oh, le petit coup de rein qu'on a mis. Après, boum. Imagine les mains sur flûte avec tous les contrôleurs. Oh, laisse tomber, ça va dingue. Bon, c'est pas pour rien qu'ils les ont enlevés. Hein. Très compliqué à être géré, je pense aussi. Hein. Entre les mains qui auraient pas été sifflées parce qu'elles passent à travers la main, comme des fois, à travers le pied. Putain, je regardais pas. Non, tu peux la mettre à moi, c'est plus simple. Il la mettait à moi, je le remettais, c'était réglé là, l'action. Attention. Putain. Aïe. On a mal défendu, hein. Allez, c'est pas grave les gars, c'est pas grave, on y va. On encaisse rarement des buts, donc du coup ça fait toujours bizarre que t'en prends un, quoi. J'ai envie de les tabasser quand ils font des passes comme ça. Oula. Non. Ah ouais, mais... Ah, ils ont réveillé le stade, quoi. Mais... Ils jouent ? Oh, y'a un karma négatif là. Oh, le IE script. Ouais, après ils sont dominés, hein, on va pas chier, hein. Ils méritent, hein. Clairement, y'a pas. On peut pas dire quoi que ce soit. Ah bah oui quand même, ça aurait bien. Joue à côté, joue vite, mettez du rythme. C'est bon. C'est des branquignoles aussi, hein. Aïe, là je crois que le gardien il est pas exempt de tout reproche, hein. Je crois que le gardien là il a trollé. Ouais, après la défense aussi. S'il faut tout faire tout seul, je te dis qu'on peut tout faire tout seul. Allez les gars, on revient. C'est dans l'adversité qu'on fait des grandes choses. Non! Putain, le geste! Avec la caméra, je te jure, mon petit râteau, je le maîtrise plus! Aïe, je m'en veux! Ah, oh, je sais. Bien! On montre! Non, gardien! Oui! Oui! Joue vite sur le côté! Putain, il faut que je change de gardien. Les deux, il y avait une place là.
le tac énervé là. Allez, pressing, pressing, c'est bon, on perd 4-2, ça revient au même, go là. C'est le tournant du match. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh non ! Ça va être dur. Le contrôle. Oh, je vais lui, dans les vestiaires, je vais lui dire. Oh, il a ruiné. Ah, l'action était pas mal. Hein. On commençait bien à poser. Ça va être dur, là, je pense pas qu'on aura une dernière. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Et revers ici. 3-2 défaite. Le match était important en plus. On s'est bien battu. On a raté 2-3 occasions. Mais tu vois, comme quoi la difficulté au final, c'est pas si simple. Hein. Aïe, 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 aïe. Ma foi, on aura fait un bon match encore une fois dans l'ensemble. Mais après, c'est vrai qu'on a manqué de finition. Hein. Ah, c'est pas grave. C'est comme ça, les gars. Faut pas être triste, faut pas être triste, faut pas être triste. Et donc, du coup, normalement, il y a des champions qui commencent, il y a l'Europa League qui commence, ok. Je vais juste aller voir quand même. Excusez-moi, j'aimerais vraiment aller voir cette coupe. On est toujours premier, mine de rien, avec un match en moins. Donc ça va. On joue pas contre Pau, là, le prochain match. Bah si, ça va être intense. T'es quatrième. Oui, quatrième, pardon. Pardon, pardon. J'ai fait le calcul si on gagne. Premier contre deuxième si on gagne. Mais du coup, parce qu'on a le match en retard. Mais du coup, soyez là. Hein, parce qu'on peut reprendre la place des leaders là. Ou sinon, Pau. Qui prendra la place de deuxième et nous on sera un petit peu dépassé. Juste aller voir éventuellement si la coupe s'est passée ou pas. Parce que je sais pas quand c'est les premiers matchs de coupe. Non, toujours pas. Il n'y a pas de date. Merci beaucoup. On verra bien si on sera dedans. En tout cas, ok. On va juste faire au niveau de l'entraînement maintenant pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Est-ce que moi je dois cibler? Parce que tu vois, bonus, ça donne. En fait, ça donne la même XP quoi. T'as juste des trucs qui donnent maestro, etc. Solitaire, virtuose, fiable. Il faut changer à fond. Vas-y, tu sais quoi, de toute façon, on va. Présélection. Ah, on peut faire une présélection. D'accord. Ok. Vas-y, on va faire une présélection de tir, une prélection, etc. Puis une prélection truc, et puis voilà. Hein. Puis attends, on va mettre ce qui gagne le plus XP en vrai. Passe-moi la tête. Voilà. Faudra qu'on fasse des. Ok, let's go. Bon, bah du coup, les gars, nous, Halloween. Pour fêter Halloween. Non, mais combien ça va me coûter encore cette histoire? 5000. Vas-y, ça va. 1000. Ah, vente de charité, faire de la muscu pour Halloween. 100 000 pour faire de la muscu? Mais. Allô? Vas-y. Timra, disponible dans 12 jours. Ok, on fera ça après. Bon, les gars, ça va pas être si simple que ça. Après, au niveau des stats, on est là, tu vois. On est bien, on fait les choses comme il faut. Ça, y a pas de soucis. Est-ce qu'on a les stats ou pas? Classement des statistiques? Non, je sais plus. Je sais que dans les autres, oui, la saison peut-être. Calendrier, stats joueur, voilà. Meilleur buteur, on a 16 buts. Hein. Voilà, 9 matchs. Bon, clairement, on est devant. Passe décisive. Ah, ça fait plaisir que ce soit un mec des Girondins qui est devant. Et nous, on est quatrième. Hein. On peut être meilleur passeur aussi. Hein. Donc, pas dégueulasse. Hein. Meilleure invincibilité, carton jaune, bien sûr, on n'est pas dedans. Carton rouge non plus. Eh ben, pas mal. Mais Mehdi, ouais, nous a fait mal. Mehdi nous a fait mal au dernier match et il est là, hein, au niveau des buts. Ok, prenez soin de vous, les gars. On se dit à la prochaine. Step Psycho. Bye, tout le monde. Ciao, ciao.